Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'actionner le klaxon d'un véhicule à Grim Gables et à la cabane d'Oknobi. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra un véhicule. Donc je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y en aille à Grim Gables directement, non je n'en vois pas. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller juste ici un peu avant. Donc regardez là il y a un véhicule à droite. Après je ne sais pas s'il sera toujours là. Mais regardez là aussi sur le pont il y a un véhicule. Donc moi je vais prendre celui-là parce que ben, il est tout terrain donc c'est parfait. Donc là je prends mon véhicule. Ensuite je vais à Grim Gables. Donc Grim Gables qui est juste ici. Voilà. Je vais à Grim Gables. Donc je vais vraiment bien devant la maison. Hein. Et là je vais commencer à klaxonner. Donc je klaxonne en faisant flèche du bas. Voilà, là j'ai klaxonné plusieurs fois. Donc normalement ça devrait valider le premier emplacement. Et ensuite, ce que je vais faire c'est aller à la cabane d'Oknobi. Donc la cabane d'Oknobi, elle se trouve juste ici, à côté de l'arbre de la réalité. Donc c'est parti, je vais me rendre jusque là-bas. Alors petite information, pour klaxonner c'est la touche. Moi personnellement c'est la touche pour faire les émotes. Donc c'est flèche du bas. Donc normalement, essayez de, si vous ne savez pas comment klaxonner, essayez d'actionner la touche qui vous sert à choisir vos émotes. Et normalement, ça devrait être la touche pour klaxonner. Alors, je viens de changer de voiture, mais dans le doute, moi, je vous conseille quand même de ne pas changer de voiture parce qu'il est marqué d'un véhicule. Donc logiquement, ça devrait fonctionner avec n'importe quel véhicule. Mais si vous pouvez faire tout le trajet avec un seul véhicule, faites-le pour être sûr que quand vous allez klaxonner à la cabane de Knobi, bah, ça valide quand même l'emplacement et ça vous dit pas... qu'en fait il fallait utiliser un seul et même véhicule. Donc logiquement il n'est pas précisé qu'il faut utiliser un seul et même véhicule. Donc logiquement ça devrait fonctionner. Mais bon dans le doute, essayez d'utiliser le même véhicule. Donc là regardez, je suis à la cabane d'Oknobi. Je klaxonne. Voilà, je klaxonne. Et dès que vous aurez klaxonné à Grim Gables et à la cabane d'Oknobi, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace!